Alors voici ma boîte alors pour la truite. C'est le color souple. Mais je pêche très très peu au leur souple. Et j'en ai dans la boîte. Des fois ça peut sauver du capot. Du micro spinner aussi. La palette. Alors, à quelqu'un incontournable, hein. Je pense que c'est plus la peine de vous les citer. De plus petite taille, avec une couleur un peu agressive. Pour le coup du soir, ça peut être sympathique. Celui-là aussi, c'est un incontournable. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le citer aussi. Tout le monde le connaît. C'est un leurre qui marche vraiment très très bien. J'aime beaucoup pêcher à la cuillère. Donc là, la cuillère. Je suis basé vraiment sur peu de modèles de cuillères, notamment la Vibrax que j'ai en coloris or et coloris argent, que j'ai également en plusieurs tailles, que j'ai en taille ici en taille 0, en taille numéro 1, en couleur argent, hein, c'est exactement la même. C'est une cuillère que j'apprécie vachement, elle est redoutable, très très bon résultat avec. Des Vibrax sur des coloris un peu différents. Toujours une Vibrax avec les fameux points rouges. Qui me fait un peu véronner. Une Vibrax en plus gros diamètre en taille 2. Après, j'ai quelques autres cuillères que je me sers. Beaucoup moins, notamment celle qui marche un petit peu, hein, qui est connue aussi, la MEPS à point bleu, la Back Fury qui est connue également, qui marche d'ailleurs très très bien les jours où il y a du soleil, où c'est vraiment ensoleillé, je la conseille énormément.